para que o Senhor venha à terra, 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 para que o Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations.
je domine sur la terre. L'Éternel désormais est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. L'Église y avait été campée pour adorer le Seigneur, Martin. Alléluia. Dieu est grand, mon Dieu est grand, puissant en prière. Le bénir, alléluia. Le bénir, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. L'église, levez-moi. Amen. Dis Seigneur, merci, mon Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Balancez-moi devant Seigneur, ma Père. Assez d'action de grâce, assez de remerciement. Si vous êtes capable de la terre, c'est en grâce. Si vous êtes capable l'hôpital, c'est en grâce. Si vous êtes kidnappé, c'est en grâce. Si vous êtes accident, c'est en grâce. Peut-être que vous avez levé mon matin, Seigneur, merci pour ça, le fait pour vous. Balancez-moi devant. Tant que vous êtes capable de louange pour le matin. Comme ça, vous avez le cœur, vous devez disposer pour faire louange pour le Seigneur. Parce que vous avez toute gloire, toute honneur, toute adoration, c'est pour lui. Levez-moi devant le Seigneur. Dis merci, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Plus humain Seigneur. Plus humain Seigneur. Moins moi-même. Moins moi-même. Plus humain Seigneur. Plus humain Seigneur. Moins moi-même. À part de pouvoir chanter sur la foule en 22 coups des élus. Il est un nom béni et saint, un nom divin que nul ne pleure en vain. De ce nom vient le salut des humains, le nom de Jésus, précieux Jésus. Alléluia. L'Église, est-ce que vous voulez bénir la terre? Est-ce que vous croyez un nom qui est précieux ma terre? Eh bien, non, ça, c'est le nom de Jésus. C'est lui-même qui vole la vie, c'est lui-même qui vole la terre, c'est lui-même qui va quitter coucher l'hôpital. C'est peut-être ça, maintenant, vous mettez en position, vous disposez. Vous ne pouvez pas rien tout le matin pour chercher la force de la terre. Il est un nom béni et saint, un nom divin que nul n'éplore en vain. De ce nom vient le salut des humains, le nom de Jésus, précis et Jésus. Il est un nom, il est un nom. Un nom béni et saint, un nom divin, que nul n'est pas fait. Mais ce nom vient, le salut des humains, le nom de Jésus, précis et chier. Oh, il est un nom, il est un nom, un nom. Jésus, précieux
Oh,
2022, il passe son rôle. Mais nous connaissons les produits qui contrôlent les plus sur quoi ça. Les producteurs de ce couple, croyez en Jésus. Aussi, nous comptons avec tout le monde qui est venu à l'heure, nous recevons la bataille pour la machine réellement changée. Dans le moment, ça, c'est le moment de recommencer avec le moment d'adoration et de louange. Et maintenant, au moment, ça, nous retournons l'autre partie parce qu'à 8h10 exactement, nous devons finir pour nous rentrer dans l'Assemblée générale pour l'année 2022. Il y a une spéciale réunion après l'édition matinale. Voilà pourquoi nous changer la programmation pour que vous ayez un peu de tout. Vous avez un peu d'adoration, un peu de prière, nous allons avoir un peu de parole. Et lorsque nous finissons dans toute partie sérieuse, on va rentrer dans l'Assemblée générale. Comme il est dans l'Assemblée, il y a une affaire. Nous parlons d'une réunion d'affaires. L'Assemblée générale, côté frères et sœurs réunis ensemble, pour nous discuter de ce qu'on est capable de faire pour que l'Église soit capable de marcher bien, pour que l'année, nouvelle année, soit capable d'une bonne année spirituelle, une bonne année pour l'Église. Donc, que le Saint-Esprit déjà fait provision pour que nous capables d'avoir une bonne réunion, une bonne assemblée générale. C'est vraiment pour capter à 8h, capable de participer à la deuxième partie service. On va remettre ça parce que l'adoration, prière là, est temps passé. Et comme je l'ai annoncé, nous allons méditer la parole avant même que nous fassions offrande. Avant même que nous fassions offrande, nous allons méditer la parole. Réellement virer, changer ma terre. Est-ce que nous avons passé pour la première fois le monde qui est encore, qui paraît venu la ma terre? Est-ce que nous avons un monde qui est venu pour la première fois? Ça se fait que nous parlons un monde. Est-ce que le frère qui est déjà un frère qui est venu? Il faut qu'on vienne pour ça, peut-être. Donc, nous pouvons gagner, nous pouvons dans l'air, nous pouvons gagner. Pardon, dit la présence. Un bon visiteur, mes amis, pas pour gros gars, parce que nous avons visité ça. Un gros gars, mes amis, pour leur visiteur, plus fort toujours. Que nous sommes bien sur nous, frères et sœurs, nous croyons que c'est pas ça, les gens que nous avons mis la terre, le ciel, mais un mot pour nous, mais c'est avec ça. Il n'est pas normal, il n'est pas tout ça arrivé. Alors, je crois que quelques mots va tourner, si tu vas passer dans l'adoration de Noël, il va bénir en nous et qu'on va sortir là, on va sortir là, à prier pour que nous soyons capables de résoudre le problème. Le problème, ça, Frère Zarak a peine d'entrer. Frère Zarak, pour finir, on est allé dans le studio pour mettre dans l'air. Nous comptons pour tout le monde matériel pour qu'il fasse sacrifice. Et je dis à nos terres, c'est ça qui a pris l'appui pour qu'il y ait le matériel. Tout le monde qui a quand on parle de l'église matérielle, pour le rappeler. C'est un vent qui a soufflé 23 mailles par heure. C'est assez fort. La pluie a tombé. Tout le monde qui a la matière, c'est moi qui a cherché mon Dieu. Pas ton garde, peut-être pas. Le fait que on prend du temps pour la matière, pour réunir. Pour le niveau de micro, donc, pour que tout le monde qui a la matière va recevoir une bénédiction spéciale de la part du Seigneur. Tout le monde là, c'est la petite bouillon là que le Seigneur a donné l'édition pour ma mère. Pas pour le bouillon de nos bébés. Le Père de la bouillon de nos bébés. Tout le monde qui était beaucoup de la pluie qui tombe sur vous. Nous croyons que toute la pluie, ça a beaucoup de la pluie de bénédiction. Merci, ingénieur Don. Frère Don, qui est côté votre micro pour nous. N'abord à nous sur bien vite avant de rentrer dans la méditation de la parole de Dieu. Et demain soir, 7h,
dans la prairie, ou dans la prairie demain soir à 7h. Demain soir à 7h, vous avez la prairie. Jeudi matin, 9h pour midi, la prairie, service de jeûne. La prairie jeûne, jeudi matin, 9h pour midi. Dans la soirée, 7h pour 9h, la prairie en classe pour les diacres. Si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que c'est sur classe, on a choisi diacre. Encore, on a bien classé ça avant que nous fassions les positions et bien sur diacre. Next slide, on a bien nos diacres, on a fait classe avant que nos barrières nous aidaient, mais l'association, tout diacre fait effort, nous regrettons ça, c'est des fois que nous y passons, dès qu'un diacre est venu, nous devons continuer à l'autant. Nous souhaitons que jeudi, si je veux, la prière à 7h, fait effort pour nous là, parce que c'est important pour que nous soyons capables de comprendre exactement qui ça le diacre et qui travaille le diacre, pour qui ça le diacre dans l'église. Il est important pour nous étudier avec la Bible, on va parler de la Bible, mais c'est avec la parole de Dieu, qui sont classe biblique, la vallée. On vous dit, c'est jeudi, si je veux. De 7h à 9h, on est fini sans manger. Là, on peut manger tout le diable manger, sur le travail, on peut dire. Et là, on a des snacks. On a des snacks parce que sur classe 2h temps, que la vie, j'ai dit si je veux. Vendredi soir, on a des services spirituels là. Service là, on a commencé à 7h, on finit à 9h. On nous dit après service, prestine tout les répétitions. Oui, c'est dans toutes les répétitions. Oui, bon, pour dire que nous avons gagné, Christine Nabila dans le service vendredi soir. Vendredi soir là. Parce que, ok, il y a des répétitions après service là. Et samedi 7h, cette fois-ci, la bénédiction pour la chorale, pour le cœur mixte. Cœur mixte à réunir, samedi 19h, 7h pour 8h30. Tout le monde qui a le chanté dans le cœur mixte, l'église là. Si Dieu veut, n'a pas gagné répétition si Dieu veut. C'est pas pour la guerre qui compte avec nous. On a payé répétition de 7h jusqu'à 8h30. Nous, on pourra rentrer dans la méditation de la parole de Dieu. Ma voix, vous venez pour Samuel, dans Psaume 60. Psaume 60. Son psaume de David pour enseigner son psaume d'enseignement que lié son psaume sur la Bible français Michel Gouin qui dit verset premier il dit au chef de chant sur le livre hymne de David pour enseigner David qui vient en pile pour l'enseignement que je vais passer dans psaume 60. Donc il y a deux versets depuis dimanche soir, on va commencer maintenant deux versets saillants, c'est verset 13 à verset 14. Psaume 60, 13 et 14. Psaume 60, 13, 14. Nous lisons, tout le monde dit, je vais lire d'ailleurs, on est ensemble avec. Psaume 60, 13 et 14. Ça veut dire que nous avons dit d'ailleurs tout le monde fait exercice à chercher des mots pour que nous gardions ensemble. Psaume 60, 13 et 14. Psaume 60, 13 et 14. Est-ce que tout le monde veut aller? La première question, moi j'ai déjà fait mon parler de nous, oui. Et moi, si à chercher Exode, Il y a un travail à l'Apocalypse. Parce que vous parlez passé, feuille, Bible encore, tournateur, projecteur. Bible est très importante, donc Bible, vous comprenez, comment on est. Psaume 60, 13 et 14, nous lisons dans le nom du secours contre la détresse. Donne-nous du secours contre la détresse. Il dit, le secours de l'homme n'est que vanité. Quand le monde a commencé, quand tu sais qu'on a commencé à chercher ce secours,
Maintenant, le secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Les versets, pas que mon aimé. Ça dit, il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos avec Dieu, avec Dieu, avec Dieu, avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Au cas de dans ce sens sans Dieu, on va compter un peu l'échec. Avec Dieu, nous ferons des exploits. N'a fait la veille qui fait le monde saisir. Avec Dieu, avec Dieu. Parce que vous il y a un docteur qui a fait une réunion saisie. Dieu me dit de la tête. Dieu me dit de la tête, il y a eu une maladie. Hein? Bon, je l'ai vu, on a côté, il y a eu une de la tête. Bon, il faut avoir un porté, il y a eu une petite forme pour faire rapporter, parce qu'on fait passer. Avec Dieu, nous ferons des histoires. Il écrasera nos. Moi, je pense à quelque part, c'est pas éliminer, 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 mais vous quelque part, écraser les lignes. L'ennemi, ça va faire voir encore. C'est ça le défait pour Israël. Moïse, c'est aussi la révélation de la femme de Dieu, il dit où est l'ennemi, ça y est? Où est tout l'Égypte, ça y est? Où est Quand nous sommes regardés pour vivre,
mauvais esprit, esprit méchant, qui t'avait détruit, qui a pris le monde, certainement, qui t'a dit à l'époque de lumière. Je veux dire qu'à nos yeux, ouais, mauvais esprit. La Bible dit ça même, c'est pas deux esprits méchants qui viennent de la part de l'homme. Hein? Car pas pour être tout à fait si de mourir. Car pas pour être dévoué nous. Esprit méchant, ça même. Et vous vous souvenez des yeux que tu as gardé par le même mauvais esprit qui fait fort mal. Il m'a dit seulement comme ça, un mauvais esprit qui voulait détruire nous-mêmes l'homme. Le jour où on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, on dit Jibao, Gakon. Ou gagne Gakon. Ou gagne un ange. Il y a un ange chaque jour là, ou un ange qui l'a réveillé sur vous. Ou un ange. Au bon sens, gardez-moi de garder la théologie qui dit il n'est pas possible, Israël est bien, il y a un sang qui a détruit tout Israël. Pas de possibilité pour chaque croyant. Dans Matthieu 18, verset 10, tout à l'heure, Matthieu 18, verset 10, Jésus-Christ montre ça que chacun de nous bons anges, qui a veillé, qui a contrôlé la sécurité, non. D'ailleurs, c'est pas des anges qui gagnent dans ce ciel-là. Yes. Il y a des milliards de milliards d'anges. Milliards d'anges. Il y a des milliards, je crois que c'est de 10 000. Des tombes de 10 000, 10 000, des milliards de milliards d'anges financiers-là. Milliards de milliards. Et nous trouvons milliards, c'est 10 000 anges. Par deux anges que vous avez et vous pouvez mettre des anges à disposition. L'ange de l'éternel campe autour de son lieu-là. L'ange de l'éternel, mon ange, qui l'a tapé, nous était accident, que malheur, poussez-nous pour nous faire son appel dans le parc de nous. Hein? Bon patrie, on était pour nous. Vous avez été passé par le parc de la patrie, vous avez été la elle dit amen l'église. Amen l'église, l'ange de l'éternel. Comme autour de chacun de maman, il faut la cultiver la crainte de l'éternel. L'ange de l'éternel va vous dire ce qu'il veut. Et même avant, il faut nous cultiver la crainte de l'éternel. Parce que l'homme est crainte de l'éternel, comme une parole qui va sortir dans vos yeux. L'homme est la clé de l'éternel. Parce qu'on connaît un espace où il y a l'éternel là. N'est pas parole à cause d'un jour. Ou pas parler de votre côté. Parce qu'on connaît que Dieu l'éternel est sourd. Ou pas parler de votre bataille. L'ange de l'éternel est autour de ceux qui le craignent. C'est la vie de Dieu. Si vous parlez de l'éternel, bon, vous perdez votre gaza. Ou pas que par le gars, ça va être dans la guerre. Je donne l'éternel comme autour de ce qui veut. Ce qui veut. Il est s'arrache. Arrache. Ou d'un Dieu. Il y a des gens qui font ce que ça. Ou accident apparaît. C'est pour qu'il y ait un accident. Le 31 décembre, c'est le 31 décembre, ma sortie là. Là, dans le petit milieu. Pour m'aller dans pour me virer dans le chat. Mon métier est semblé. Mon machine qui a fini, qui m'a stop. Pour le cas de me prendre la parole, qui m'a viré. Heureusement, l'homme de l'éternel est là. L'homme de l'éternel est marqué. Oui, il y a un esprit méchant. Esprit méchant. Il y a des esprits méchants. Qui ont trouvé. Heureusement, avec que nous ferons bien. C'est l'histoire de ces deux chapitations. Yo méchant. Ça qui est là, c'est que les habitations, yo mangé pour les habitations. C'est quelqu'un qui croit dans les habitations. Yo mangé pas. Méchant.
Nous disons qu'il y a d'abord les esprits méchants. Les esprits méchants. Qui est bien. Mais avec Dieu, nous faisons l'air. Comme nous ne pouvons dire pas à manger. Comme nous ne pouvons pas à manger. Comme nous ne pouvons pas à manger. Comme nous ne pouvons pas à manger. Il ne parle pas. Il ne parle pas. Il va avoir le pouvoir sur vous. Moi, le samedi qui dit que l'Éternel est entouré, son Éternel est là, il est entouré par devant et par derrière. Ça veut dire au nom cercle. Vous voyez comment volonté, mon Dieu, dans le cercle de la volonté de Dieu, où il y a une foule protection. Parce que pour entourer au nom cercle, il est entouré par devant et par derrière. Et il était bien sous même, c'est ça, ça nous a dit. Et même si pas sur le même baracon, il passe à la baracon, passe à l'autre baracon, passe à l'autre baracon. Vous êtes entouré par devant et par derrière. Et mon Dieu lui dit, mais. Vous avez dit, nous disons, on ne dit pas rien. L'Éternel, mon Dieu, je ne vais pas être pillage. Je ne vais pas être pillage parce que c'est méchant. L'homme a quoi? Parce que les esprits méchants, nous avons comme les vies, mais nous avons aussi les hommes méchants. Nous avons des hommes méchants. Nous avons des esprits méchants et des hommes méchants. Nous avons des méchants naturellement. C'est là que nous avons quitté l'esprit diable, nous avons trouvé dans la vie. Ah, c'est parti méchant. Parce qu'il y a un petit méchant, il y a un petit méchant, un petit méchant. Mais il y a un grand méchant. Même là, il y a six pécheurs à grand pécheur. Regardez plutôt, c'est des amis. Tout péché, c'est péché. Oui, oui, d'accord. Mais la Bible dit que les habitants de Sodome et de Gomorre étaient des pécheurs et de grands pécheurs. Des grands pécheurs. Oui, alors, tant que nous demeurons dans ça, il est possible pour nous pécher. Nous sommes capables de pécher. On va demeurer dans le péché. Mais il est possible pour pécher. Jésus dit, la parole de Dieu est claire dans sa vie. Bon, la pauvre Jean, il dit, si vous mettez tout ça, nous n'avons pas fait tout par péché. Faites. Tout ça, nous n'avons pas fait parce que vous péchez, ou après tout frère dans le Seigneur de l'homme. Vous êtes gardé. Mais si vous péchez, pas tout est tout. Parce que nous péchons tous les deux, c'est pas l'espoir ou non. La parole de Jean dit non, non, non. Nous gagnons avocat auprès du Père. Si nous confessons nos péchés, il est juste pour les pardonner. Oui, mais papa de la Bible, comme on dit, les pas péchés, les sans péché, ils sont mauvais. C'est ça la Bible. La Bible dit que les moyens, pas parce que la parole de péché. Hein? La chambre de la vie. Moi, d'abord, nous sommes capables de pécher, mais nous ne pouvons pas demeurer dans le péché. Donc, il y a quelqu'un qui a fait acte de méchanceté. Oui, mais vous savez que le grand méchant de l'Éternel, c'est extraordinaire. Grand méchant, avec qui vous connaissez ça? Avec ça, c'est gros méchant. Si on le fait un jour, nous ne pouvons pas faire acte de méchanceté, nous ne pouvons pas avoir une lumière. Grand méchant, le grand méchant, ça. Et moi, écoutez David dans Psaume 140, verset 4. David dit, ah, mon Dieu, délivrez-moi, mon méchant, c'est que vous êtes méchant. Notre travail là, on savait que notre travail est méchant. Méchant. Il n'y a pas de détruire. Il n'y a pas de perdre du travail là. Méchant, veillez-vous avec les hommes méchants. Écoutez tout depuis un monde. Pas de l'esprit Christ, on lui veillez ensemble. Non, pas de l'esprit Christ, l'esprit René. Pour le monde veillez ensemble avec le monde. Pas de l'esprit collé. Avec le monde qui est dans l'esprit du diable. Pas de l'esprit. L'opacoué. Nous avons des hommes méchants qui va venir. Quelquefois, nous avons coulé sous la rue.
on a tous les jours. On a dit bonne année. Bonne année, pasteur. Bonne année. Qui t'a dit à commencer un bon goût. Qui t'a dit à commencer un bon goût. Qui t'a dit à bonne chance. Au papier de caille. Bachon caille. Qui belle à ce caille. L'ennemi. Qui t'a dit à l'arrivée. Mais ils sont méchants. Avec Dieu, nous demandons des exploits. Mon méchant, ça veut dire contrôler. Mais c'est eux méchants qui disent ça, contrôler, Seigneur, contrôler. Voilà pas vous faire. Contrôler, vous dire contrôler. Que vous dites contrôler, méchant par vous. Que vous dites l'année 2022. Et chaque année qui passait, l'a augmenté, l'a pratiqué, l'a utilisé, l'a pratiqué encore. Pour finir avec le contrôle qui est contre Dieu. Et je vous dis ça, depuis on voulait tout lier nos serviteurs au Dieu, ou même bien chanter dans la terre mal. Ah, ça ne peut pas être. Bon, ou à quoi est-ce que vous pouvez être mort, ou à quoi est-ce que vous pouvez être mort, ou à quoi est-ce que vous pouvez être mort. L'exode, nous avons écouté Pharaon te promet Moïse la mort. Il a dit que Moïse, Moïse, le jour où il était dans la mort, m'a tué Moïse. Est-ce que Moïse n'a pas assisté le terre au Pharaon? Il assiste à la terre au Pharaon. Le Pharaon, l'homme est là. Il commence à demander le Pharaon, je le tue. Moïse serait la garde. Pharaon a été lui. Au nom de Jésus, n'importe qui qui a des couillots, on va assister à l'enfer. Au nom de Jésus. Pas peur, les hommes méchants. Il y a aussi une série de l'idée que nous gagnons. Une série de l'idée. L'idée, ça y est, c'est bactéries, virus. Les bactéries, les virus. Nous disons ça tout dernièrement. Nous disons que ce n'est pas toute bactérie qui est gagnée du mauvais. De mauvaise bactérie, gagne une bonne bactérie tout. Il y a une bonne bactérie. Bon Dieu, j'ai une bonne façon. Il connaît les bactéries au malgré nous. Mais bon Dieu n'a pas utilisé des bactéries. Ou bien une bonne bactérie. Ok? Et il y a une bactérie qui est lactobacillus. Lactobacillus, la bactérie, lactobacillus. Pendant que vous avez une bactérie par des ouais, nous avons bactérie de nous, lactobacillus. Son bactérie qui l'a, qui a descendu ton cholestérol. Pendant que vous avez une bactérie à détruire, vous avez une lactobacillus. C'est ça qui fait mon bien le antibiotique. Qui est tout à l'heure, c'est toujours des antibiotiques. On a parlé de ça. C'est ça qui fait antibiotique. Que tu vois, c'est le docteur qui peut prescrire pour comment vous prendre. Pour vous, toute bactérie, c'est pour vous, bactérie. Mais quelquefois, vous avez un problème avec ça, vous avez une bactérie, vous avez une bactérie, vous avez une bactérie, vous avez une bactérie. Parce que pour Dieu, c'est une vision. Pour quoi? Pour capable, en quelque sorte, contrôler la bactérie. Ça. C'est-à-dire que nous avons un cholestérol. Souvent, il y a la tocassie de ça, le cholestérol est à tout le monde. LDL. Mauvais graisse, ça, mauvais. LDL à tout le monde. Déjà, il y a une bactérie de ça. Bactérie de ça, pour lui faire mal. Il fait bien. D'accord. Des bons virus. Il y a un coronavirus qui n'a pas de problème. Mais pour gagner, on sait de bactériophage. On sait de bactériophage, de virus. Bactériophage, bactériophage, qui dormit, virus saillot, c'est attaquer les bactéries. Il y a un problème pour moi. C'est ça. Mais dans mon Dieu, des fois, bon Dieu prend sa table les liens. Ou capable d'apporter au secours. Mais dit lorsque l'Éternel approuve la voix de l'homme, il dispose favorablement à son
bon Dieu connaît nous bien l'église à nous. Il peut nous l'église à nous même. Et même directeur Jean-Pierre a profondi ça. Il met dans l'église à nous, il prend dans nous pour capable frapper avec bactéries à nous, virus à nous. Avec Dieu, nous ferons des exploits qui décrasent nos amis. Gardez dans nos pilates, les amis. Gardez dans nous, c'est ça qui est la parole. Oui, pourquoi c'est bien la parole, je vais continuer. Gardez dans nous, qui l'a, c'est bon, j'ai pas quelqu'un qui contrôle le virus, corona, la langue, il est là. Gardez dans nous, corona, à la paix. Gardez dans nous, corona, à la paix, mais bon, j'ai des millions. Vous savez que le virus, c'est pas c'est le virus qui est là. Bon, j'ai des millions. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera. Ok, donc il faut approcher le pays de l'Église. Est-ce que tout le monde est d'accord avec nous? Si elle est là pour capable de craquer les dinosaures et d'empirer les vies qui veut dire nous, il faut nous approcher de plus près de l'Éternel. Là, mais ça, je peux pas prier. On ne va pas arriver à prier de la vie. Ce n'est pas que j'ai un jeune à sa résolution pour vivre dans le jeune. Ce n'est pas qu'on lit la parole. La résolution pour capable lire la parole de Dieu, pas pour approcher au plus près de Dieu. Parce que plus n'a pas approché au retour de Christ. Avec Dieu, nous ferons des histoires. Il écrasera les ennemis. Battez-moi vous pour les faire, battez-moi vous pour les faire, battez-moi vous pour les faire. Amen, 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 amen. Amen. Nous allons rentrer. Nous allons entrer dans le message, on parle du message, on participe très important à ce service-là.